mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet, nous sommes encore ensemble pour prendre notre petit café, notre petit déjeuner avec vous. Merci de nous accueillir dans votre maison Amen. et soyez puissamment bénis. Nous vous Amen. bénissons pour nous avoir ouvert les portes de votre maison et de nous accueillir encore en ce 2 juillet. Merci, mes bien-aimés. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un honneur et un privilège d'être chaque jour à votre table, chaque matin. Soyez bénis. Amen. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons le trouver dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est La parole de connaissance. Une femme à New York découvrit qu'elle souffrait d'une maladie orpheline. À l'époque, seules 7 ou 8 personnes au monde avaient cette maladie. Cette maladie n'allait pas la tuer le lendemain, mais les médecins l'avertirent. Il n'y a pas moyen de savoir à quelle vitesse cela va s'aggraver. Ne vous attendez pas à vivre plus de 10 ans, bien que vous puissiez mourir plus tôt, puisque la maladie pourrait progresser plus vite. Quelqu'un lui parla des réunions de Catherine Kuhlmann à Pittsburgh. Des amis l'y emmenèrent. Pendant la première réunion, à laquelle elle assista, Mademoiselle Kuhlmann commença à exercer son ministère et montra du doigt l'endroit où elle était assise, en annonçant: « Il y a là-bas une femme qui souffre d'une maladie très rare. En fait, les médecins vous ont expliqué que seules 7 ou 8 personnes ont eu cette maladie. » C'était la parole de connaissance en action. La femme fut complètement guérie. Par la suite, les médecins ne purent trouver aucune trace de la maladie. Elle avait complètement disparu. Amen. Chers frères, chères sœurs, voici une opération de comment Dieu peut opérer dans la vie d'une personne une guérison. On voit que une simple parole de connaissance, mais vraiment très très précise, parce qu'elle découvrit que seules 7 ou 8 personnes avaient cette maladie, dont cette personne qui était là en train d'assister à la réunion de Catherine Kuhlmann. Et on voit que la parole de connaissance arrive, et comme la parole de connaissance est donnée par l'Esprit de Dieu, et elle ne vient jamais sans apporter sa contribution, on voit que non seulement il y a eu une parole de connaissance, mais il y a eu le fruit qui est arrivé après. Le fruit de la parole de Dieu, c'est que c'est la guérison. Oui, parce que nous le verrons dans les prochains jours, la maladie, comme nous l'avons dit depuis le 1er janvier, ne vient pas de Dieu. La Bible est claire là-dessus, on ne peut pas discuter là-dessus. La maladie provient du trône du diable et non pas de Dieu. Dieu est venu comme médicament au travers de Jésus-Christ pour nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités, de nous délivrer de l'esclavage que le diable avait enfoui l'humanité sous son joug. Et mon frère, ma sœur, nous voyons ici que quand la parole de Dieu est donnée, quand tu es au bon endroit, au bon moment, et comme je dis toujours, l'église est le bon endroit, parce que la Bible nous dit que l'église est là où Dieu a déposé sa bénédiction. C'est l'église qui est le vecteur, qui est le conducteur du trône de Dieu, de l'onction qui réside du trône de Dieu et qui la déverse au travers du serviteur, de la servante qui est là, au travers de la louange, au travers du prédicateur, au travers des ministères, différents ministères qu'il y a dans cette église. Nous voyons que la guérison arrive toujours au bon moment. Même si les médecins qui ont étudié pendant de nombreuses années font leur diagnostic, Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Tant que lui n'a pas dit « c'est fini », eh bien rien ne s'arrêtera, mon frère, ma sœur. On a vu que le diagnostic était qu'elle ne vivrait pas plus de 10 ans. Il ne connaissait rien de cette maladie. Mais on voit que Dieu est arrivé et il l'a guéri. Et demain, je voudrais aussi enseigner de comment garder sa guérison. Oui,
comme il nous faut garder notre salut, comme il nous faut garder notre délivrance, il nous faut aussi garder notre guérison. Et on voit que l'ennemi, avec les symptômes, avec les doutes, avec les peurs, vient toujours pour retirer le travail que Dieu a fait. Alors, mes frères et mes sœurs, je vais vous laisser avec notre sœur Karine qui aujourd'hui va encore relâcher la parole de Dieu qui vient de découler. C'est comme le journal que tu as acheté ce matin, il y a la bonne nouvelle qui va arriver. Amen. Et qui est toute fraîche, qui est toute apaisante, qui rafraîchit, qui restaure ton âme, mon frère, ma sœur. Et je veux aujourd'hui que tu étendes tes mains et tu dises « Parle, prophétesse, pour que je sois restauré dans mon âme. » Amen, amen. Seigneur, je te rends grâce pour encore, comme tu as parlé, Seigneur, encore ce matin, à la vie de mon frère et à la vie de ma sœur. Et nous voulons ensemble faire cette bonne déclaration qui dit « Je remercie Dieu pour les dons de l'Esprit. Et je lui rends grâce pour sa parole. Je sais que je n'ai pas besoin des dons de l'Esprit pour recevoir ma guérison. Je peux me baser sur la parole de Dieu à tout moment et recevoir cette guérison que tu as prévue pour moi. Seigneur, merci. Merci encore pour toutes les guérisons que tu vas opérer, Seigneur, encore en ce jour. Parce que nous savons que quand tu parles, Seigneur, il y a toujours quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Seigneur, les anges là-haut se mettent en mouvement au son de ta voix et ils apportent leur message à tes enfants, à ceux qui attendent ardemment de recevoir quelque chose de ta part. Que ce soit une parole, que ce soit un conseil, une directive ou même une restauration intérieure. Seigneur, je te prie d'agir avec puissance et autorité comme toi seul tu sais le faire. Seigneur, merci encore pour toutes les guérisons qui se feront par-delà le monde. Parce que peut-être que mon frère, ma sœur n'a pas encore reçu sa guérison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais peut-être que tu avais établi qu'aujourd'hui est le jour où mon frère et ma sœur vont recevoir leur bénédiction, leur récompense à leur fidélité, à leur foi qu'ils ont posée en toi et en ta parole qui dit que tu es l'Éternel qui nous guérit. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu déposes aussi au sein de ton Église. Parce que comme le pasteur le disait, c'est vrai, la bénédiction est déposée dans l'Église. Il est important pour nous de nous rassembler ensemble, de mettre un temps à part pour pouvoir nous rendre dans ton Église, dans ta demeure, là où ton nom est élevé, où la vérité est prêchée, Seigneur. Nous voulons nous réunir, comme le dit le psaume 133, qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. » C'est là, oui Seigneur, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que nous pouvons recevoir les plus grandes bénédictions dans nos vies, à chaque fois que nous nous réunissons ensemble avec nos frères et sœurs pour élever ton nom, Seigneur, et déclarer encore combien tu es bon et grand, Seigneur. Combien tu es puissant, Seigneur. Ce que tu as fait par le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, tu étends ta main et tu guéris les maladies de peau, Seigneur. Seigneur, tu guéris des démangeaisons cutanées, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu passes ta main, Seigneur, sur le bras, Seigneur, de mon frère, Seigneur. Et tu, Seigneur, assainis cette peau. Elle redevient comme tu l'avais créée au départ, comme la peau d'un nouveau-né. Seigneur, tu étends ta main et tu redonnes la vue à cette sœur qui avait perdu la vue, qui voyait vraiment une déclinaison dans sa vue, Seigneur, et qui commençait à faire entrer la peur et croyait qu'elle allait devenir aveugle. Seigneur, tu interviens maintenant,
Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande, Seigneur. Par la puissance de ton nom, Seigneur, qui est proclamé, Seigneur. Seigneur, tu abats toute maladie, Seigneur. Tu as payé le prix pour chacune de nos maladies, Seigneur. Quel que soit son nom, Seigneur. Quelle que soit sa puissance et sa force, Seigneur. Quelle que soit l'ampleur qu'elle a prise dans le corps de tes enfants, Seigneur. Tu détruis toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole retentisse encore aujourd'hui dans les cieux, Seigneur. Que, Seigneur, elle se répande, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Et que la puissance, Seigneur, de ton sacrifice, Seigneur Jésus-Christ, puisse être proclamée, Seigneur, haut et fort, Seigneur, dans tous les pays du monde entier, Seigneur. Nous sommes à l'heure actuelle en pleine période de l'euro, où le football bat son plein, où les supporters élèvent le nom de leur pays qu'ils supportent. Seigneur, nous venons, Seigneur, devant le trône de ta grâce pour élever ton nom, Seigneur mon Dieu. C'est lui qui doit être élevé au-dessus de toute chose. C'est lui qui doit être proclamé, Seigneur, sur la terre comme dans le ciel, Seigneur, il l'est déjà. Père, nous voulons élever ton nom, Seigneur, et proclamer que tu es le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, Seigneur. Seigneur, tu guéris encore au jour d'aujourd'hui, Seigneur, tous les malades qui s'approchent de toi avec foi, Seigneur, avec confiance, Seigneur, s'attendant à recevoir quelque chose de toi. Oui, Père, c'est la foi qui est récompensée. C'est la foi, la confiance inégalable en toi qui mérite d'être exaucée, Seigneur. Nous ne nous approchons pas d'une religion. Nous ne nous approchons pas avec une méthode, une façon de faire humaine, Seigneur. Une approche avec l'intelligence, Seigneur. Nous proclamons que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et ce que tu as fait par le passé, tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Tu guéris toute maladie, toute infirmité. Et il n'y en a pas une qui puisse passer à côté de ce grand sacrifice pour lequel tu t'es donné tout entier. Père, je m'attends encore à toi aujourd'hui, Seigneur. Je m'attends à voir mon miracle dans ma vie, Seigneur. Que je sois un témoin puissant qui se lève pour proclamer ta grandeur et ta majesté. Que tous sachent que tu es un Dieu vivant qui guérit encore au jour d'aujourd'hui. Que toute langue confesse que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et que tous genoux fléchissent devant ta grande majesté, Père. Seigneur, je te remets encore tous mes frères et toutes mes sœurs en ce jour. Aide-les, Seigneur, dans leurs manquements, dans leurs faiblesses. Apporte-leur la révélation de cette parole qui dit que tout a été accompli à la croix. Tout, c'est fait. Maintenant, j'en prends possession pour ma vie par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain pour une autre méditation. Soyez bénis.